Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui on va découvrir League of Legends Wild Rift. Donc tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce bleu, votre commentaire pour me dire si vous voulez jouer à ce jeu là ou si vous y avez déjà joué et qu'est-ce que vous en pensez. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement League of Legends Mobile. C'est fait par les mêmes développeurs que League of Legends, sauf que au lieu de faire une simple copie, copier-coller sur téléphone, ils ont fait une réinterprétation de leur plus gros MOBA sur mobile. Donc les amis, on perd pas plus de temps et on commence tout de suite et bah du coup par se connecter. Ok, donc comme tous les jeux, je vais m'appeler Psytrag. On va mettre des majuscules bien sûr. Like YT, voilà. Let's do this. C'est parti. En gros là je vais clairement redécouvrir LOL, hein. Je vous le dis, je vais clairement redécouvrir ça parce qu'à l'époque je pouvais pas le faire tourner sur PC, donc ça a duré le temps que ça a duré et c'était très court, hein. Ok, donc là on va faire le didacticiel. Bon, c'est bien, bon, on va reprendre à zéro, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors attendez, j'augmente un peu le son du jeu parce que du coup vous l'entendez pas. Petite animation super cool, j'aime beaucoup. Ok. Bienvenue dans League of Legends Wild Rift. Maintenez et faites glisser pour déplacer votre champion. Suivez les flèches. Bien. Rendez-vous au point de passage suivant. Touchez pour attaquer les sbires ennemis. Le petit filet va sortir. Ok, ça marche et je reste appuyé. Parfait. Chaque champion a des compétences uniques dotées de puissants effets. Ok. La première compétence de Jinx, l'équipe d'un lance-roquette qui inflige des dégâts de zone. Touchez pour attaquer. Attaquez les sbires ennemis. Ok. Bon, en vrai, là, ça m'est là. Un peu bête et méchant. Touchez pour attaquer. Rendez-vous au point de passage suivant. À présent, utilisez une compétence ciblée. Touchez pour maintenir la compétence, faites-la glisser vers l'ennemi, puis lâchez. Ok. Compétence ciblée. Ok. Excellent travail. Augmentez le niveau de. Maintenant, utilisez. Ok, donc on peut augmenter les niveaux de compétences. Ça, je savais pas ça. Putain, j'avais oublié toute cette mécanique, ça fait de ouf quand même. Ok. Bien. Maintenant, essayez d'annuler votre compétence. Maintenez et faites glisser l'icône d'annulation. Excellent travail. Ok. Là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pop là? Ok. Ensuite, attrapons ce champion ennemi. Touchez pour utiliser votre compétence sur la zone marquée. Ok, donc ça, c'est un grapp. Ah merde! Fallait mettre dans la zone qui était là. Chaque champion a une compétence ultime très puissante. Ok, donc ça c'est un peu l'ultime. Ok. Excellent travail. Ok, ok. Bon. Il y a des dizaines de champions uniques, chacun ayant ses propres attaques et compétences. Ok. Déplacez-vous vers un champion que vous voulez essayer. Moi je sais pas, lui il a l'air d'être bien lui, non? Un golem qui roule ne prend pas. Ah, c'est un golem. Ok. Si je fais force ciblée. Ah non, ça permet de courir plus vite, ok. Et ça fait quoi celui-là? Dégâts de zone. Ok. Et là, du coup on doit prendre la tour. Ok. Regardez, vous avez une fuite. La magie m'appelle. Ok. Dégâts de zone. On se fait la tourelle. La tourelle, elle a quand même 3500 d'HP. Hein. C'est abusé quand même. C'est
quoi celui-là? Super coup de poing, ok. Là je les vénère. Ok. Par contre ma vie en vrai, c'est peut-être un tacticiel mais... Dégâts de zone. Vas-y, faut qu'on se finisse cette tourelle là. Vas-y, un maximum de dégâts à la tourelle là. Vas-y encore. Plus que 600. Giga coup de poing. Dégâts de zone. Ouais, non, ça va pas le faire. Oh putain, j'y étais presque hein. Je suis juste dégoûté. Mais j'ai pas compris ce que ça faisait. Ah, c'est un grappe. Ah, ok, d'accord, c'est un grappe. Ok. Vas-y, on finit la tourelle. Ok. Détruisez-le pour remporter la victoire. Ok, donc en fait, ça faut détruire les tourelles qui permettent de donner accès au Nexus. Et ensuite, une fois que tu détruis le Nexus, t'as gagné. Ah, ok. Putain, c'est-à-dire que les combats ils sont longs. Hein. C'est comme sur PC, hein. Un truc de ouf. Ok. Nexus, il a combien? Ah, il a pas autant de vie que ça, le Nexus. Oh, je savais pas. Mais du coup, on donne tout, hein. Allez, vas-y, 300. Et... Ok. Ok. Bon. Je pense que le didacticiel m'a plus ou moins réellement servi. Sélectionner un champion à déverrouiller. Bah, en vrai, on va prendre Blitz. Hein. En service, prêt à agir. Ok, donc du coup, j'ai Blitz. Autant prendre celui-là avec lequel j'ai joué, hein. Ok, bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'accroche, j'aime bien. On va essayer de se faire une game, voir si c'est possible. Bienvenue. Ici, vous apprendrez à combattre et à vaincre. Ok, donc là, on va faire une game de test. Présentation de Wild Rift. Ok. Ok, donc il y a 9 tourelles au total pour accéder au Nexus. Ok. Utilisez des pièces d'or pour acheter des objets et augmenter votre puissance. D'accord. Blitzcrank est un support et va souvent assister son allié sur la voie en duo. Ok, donc le mien, celui que j'ai pris, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui assiste énormément. Ok. Et donc là, je déverrouille une compétence. Ok. Précisément. Avancez avec les sbires alliés pour détruire la tourelle ennemie. Putain, ça me gratte les oreilles, c'est un truc de ouf. Hop là. Tant qu'il faudra. Bon, j'imagine que ça, en fait, c'est la continuité du didacticiel. Hein. Je vous le cache pas. Le métal. Les sbires vous fournissent des PO et de l'expérience. Ok. Infligez le coup de grâce vous offre des PO supplémentaires. Ok, donc je grappe. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que si je suis en vogue avec un pote. Oula, oula, oula. Ok. J'ai débloqué une deuxième compétence. Ok, mort. On va débloquer encore une compétence. Hein. Le coup de poing de feu. Enfin, le feu. Trop de portage, je me comprends. On va laisser les sbires prendre l'aggro sur la tourelle. Moi, je vais taper la tourelle. On va tout donner. Première
Ok, mort. On va augmenter la première compétence. En vrai, c'est de l'idiaque ici, là. C'est vraiment simple. Vas-y, toi. Un peu là. Ok, parfait. J'ai le gros dégât de zone, là. Ok, on va laisser les sbires prendre l'aggro. Vas-y, la tourelle également fait. Vas-y, on va augmenter encore celui-ci. Ok. Et du coup, là, on arrive à la dernière tourelle avant d'accéder au Nexus. Ouais, la tourelle est déjà faite. Hein. Ok. Ah ouais, par contre le Nexus lui déconne pas. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Vas-y, dégâts zone direct. Parfait. Vas-y, on tape le Nexus hein. Let's go. Le métal est plus solide que la chair. Un golem qui roule mal. Je vais mourir. Je vais mourir. Non ? Ah, c'est bon. Ouloulouloulou. Y'aurait pas un soigneur par ici? Oh là là, ma vie! Regarde-moi ça, j'ai même plus de verre! Ah, ils arrivent en plus! Concentré. Je vais mourir, je crois. Putain, il me faudrait de la vie, quoi. Ok, vas-y, on va rattaquer le Nexus. Hein. Putain. On va attendre les sbires. Vas-y, les sbires, ils prennent l'aggro. Vas-y, on va finir le Nexus. Allez. Ok. Au moins, je suis pas mort pendant les didacticiels. Hein. Ah, j'aurais capable de. Je serais capable. Hein. Oh là 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 là. Ah là là, ça me rappelle quand même quand je jouais sur PC, c'était un truc de ouf. Franchement, j'adore. Inutile d'être à couteau tiré. Ok, bon, elle, du coup, Jinx, j'imagine que ça, c'est le personnage classique que tout le monde a au début. Du coup, je l'ai débloqué. Ça fait zizir. Ok, donc, du coup, je passe niveau 2. Ok, donc les petits potes, nous voilà directement du coup sur l'interface de Bulldrift. Bon, c'est une interface plutôt classique maintenant, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a plus d'innovation. Ici, c'est les différents héros, donc du coup, il y a les champions, tous les champions qu'il y a, il y en a quand même un paquet. Il y a aussi des skins, du coup, il y a des objets, ok, et la boutique de promo, c'est-à-dire que c'est ici qu'il y a des promotions. Ah ok, donc ça veut dire qu'il y a du pack opening à faire ou pas? Ou c'est juste achète tu as? Je pense que c'est tu achètes tu as. Là ici il y a les différentes classes. Ok, donc ça c'est bien, ça vous permet de cibler exactement ce que vous voulez. Vous pouvez également faire des cadeaux. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on peut également offrir des choses à des potes. Ou bien même des abonnés, hein, et qui sait, et personne ne le sait. Ici c'est quoi? Ici c'est... Voici vos équipements de champion. Ok, donc c'est ici qu'on va personnaliser plus ou moins nos héros, j'ai l'impression. Nous offrons plusieurs équipements. Ok, bah, écoutez, on va télécharger tous les trucs en plus. Hein. Équipement remplacé. Ok, donc en fait, ça c'est toutes les compétences. Donc il y a du physique, il y a de la magie, de la défense et les bottes. Et en fait, ça c'est des compétences qu'on peut mettre. Ok. Wow, en fait, c'est... C'est insane, c'est complet en fait. Bon après tu me diras, l'enjeu était quand même déjà complet sur PC. Hein. Ok, ok. Donc en plus il vous explique à quoi correspondent les différents items. Et ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ok. Ici, du coup, bah, il n'y a que moi pour le moment, j'ai pas d'amis. Ici je fais serveur, du coup sur le serveur, on a le classement. On a le top 1, le top 2, le top 3, les ors. Ok, donc ça c'est le classement, donc j'imagine qu'il doit y avoir du classé.
Pour faire du classé, je sais pas comment ça se passe encore. Ici, coffre-fort, bah j'ai rien pour le moment. Ok, donc ici, c'est tout ce qui va être les quêtes, ce qui va vous permettre ensuite de gagner et d'accumuler des ressources pour pouvoir acheter, j'imagine, ou débloquer de nouvelles choses. Ok. Bah écoutez les amis, si vous voulez m'ajouter, mon pseudo il est écrit tout là-bas, écoutez, hein. Et puis voilà quoi. Bon les petits potes, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, me dire dans les commentaires si vous y avez joué ou si vous allez y jouer ou bien même qu'est-ce que vous en pensez. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur Wild Drift. Moi ça me fait plaisir, j'aime bien. On se retrouvera sûrement sur Twitch pour des lives sur ce jeu, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, tout est dans la description. Et puis écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça, c'était Psytrag. Bye bye. Oh yeah.